libérer l'Algérie, libérer l'Algérie. Charbet ou les flots. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir الزور في الاول مرحبا سيتي كي 5 هذا كان موريال سانو في ان غران بليزير مي دو سامر مغارك بو ساكينيكيت نكوني نو ساد ساكينيكيت كوم شاك ويكاند تاع الداين باش نخدم تا مغاركي الدوزيام انيفيرسير دو الحراك اوني فريمون تري كونتون دونك اون بوفي با ليسي ليفينمون كي نكتا هادي عندي كان هكا كان ربي فكا دي طيجه ساكينيكيت اوني فريمون تري شونسو أتص الغاشد يوسان تاشي نتمنى سورتو يفضري كثورة الجي الدوا بوجي باسكو نكوني ذاك نرحى أتص مدني ديفغان معنا الصح يفوك الجي دوا بوجي دينا هذه رقاقية الحكم يفوك هذا بوكينا يفوك هذه غريا ما ماشي ثورة يفو لبلو تو بوسيبل ثان ميرثن وان إبي جيسبر كو لز الجريان تفغان أون فورس إكو لبوفار طمب ستعني إن شاء الله ثان ميرث Exactement, je vais dire la même chose que Mustapha. Il a casquette, une hobby d'IL, c'est très très important. Les mettre forum, il faut sortir en force. Il faut dire à ce gouvernement qu'il en a marre, il faut dire à ce gouvernement de partir, de foutre le camp. On n'a plus besoin d'eux. Et à Tigran Sahat TQ5 et à Simon Winderdegger à Montréal. Et bonjour à toute la cabine, à toute l'Algérie entière. Zulf Laouen, à Sagui de Montréal. أقلق هذا سويسين قوينا أنا سلبري le 22 février donc après deux ans il faut dire que le faut rendre hommage aux citoyens algériens c'est lui qui a initié le mouvement parti de Kharata et qui a été confirmé à Alger le 22 février 2019 ده شيء غادي دينير parce que ثورة les derniers ces derniers temps مثلا ممكن يحط سرتي تثمرت donc le citoyen il est encore joue un rôle secondaire. Ce qui s'est passé avec Tebboune, il commence à faire des rencontres politiques et la dernière avec le FFS. Pas le FFS dans un sens, Mahsouf, la direction en entier. Ben, il y en a deux finalement. On a pensé qu'il y a eu même une division. Il y a des avis d'opinion différents dans le parti lui-même. Donc il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. C'est normal parce que Mahsouf Mokhlouf, la rencontre en est depuis. Bon, les détenus. Et les détenus, c'est une monnaie d'échange. Il ne faut pas sous-estimer les deux ans que tous les avocats, tout le monde qui a poussé le pouvoir algérien à respecter les détenus et bien sûr avoir des procès. C'est des procès qui sont douteux en général. Le mouvement ça c'est un mot médiatique, c'est un mot hayrak, c'est un mot adinir, c'est un mot commercial. Alors qu'il faut dire que là, la révolution. Parce que le hayrak, c'est un moyen de réduire l'action à un groupe, à une organisation qui est sujet à être demain, comment dirais-je, Ok, en fait, c'est ça, dans le fond, le Hirakagi, pour moi, c'est une entité qui est sujet à être manipulée demain. Voilà, ça veut dire, d'ailleurs, on n'a pas d'organisation. C'est pour ça qu'il n'y a aucune révolution qui n'a pas abouti par une révolution. C'est là où il dit, il faut faire attention à ce que nous sommes la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, moi je la respecte. Moi, c'est à dire le Canada, je ne peux pas dire aux gens du pays, on les soutient. Nous sommes là, on peut les aider sur le plan médiatique, sur le plan logistique, mais sinon le reste, c'est les décisions leur reviennent. Et moi, je salue le citoyen, parce que les partis politiques qui existent en ce moment,
ils doivent se mettre du côté du peuple. Il ne faut pas qu'ils se mettent à, admettons, à faire des selfies avec le peuple pour avoir une popularité. Je ne suis pas d'accord. En 22 février, feront des citoyens pour le mettre tout à zéro. Ça veut dire que les citoyens, les partis politiques, ils doivent s'autodissoudre. Au moins, cette semaine. Le peuple chivra dîner, et puis les partis politiques, ils ont des moyens sains, des locaux sains, des sorties sains, tout, ils vont l'offrir au peuple pour réussir la révolution. Et la révolution, qu'est-ce qu'on a réussi? Ça prend des préalables démocratiques. Je suis désolé, c'est comme ça. Et puis nous, on vous soutient à 100%. Est-ce que c'est un devoir déjà? Parce que ça fait que l'AMA, il faut déclencher le Hirak, la manifestation, la révolution du sourire en Algérie. Donc, une kiné, Youth, Tadjaïrib, a rôlé, c'est un devoir de l'Irbagi. Ne vrara vivre le Had, on espère un changement. Donc, pour moi, ma présence d'Agui, c'est une participation pour un nouvel espoir, pour la liberté, pour la démocratie en Algérie. On espère le changement. Donc, voilà, c'est un devoir. Aujourd'hui, on est là pour marquer le deuxième anniversaire, si on peut dire ça, du Hirak, qui est le mouvement populaire. En Algérie, dans le but est très très simple de pousser un changement de système pour une société démocratique avec un état de droit. Et ici à Montréal et au Québec, nous aussi on participe à ce mouvement comme on peut. Et aujourd'hui on est là pour marquer notre solidarité avec nos amis, nos patriotes en Algérie. Bonjour, donc on est aujourd'hui 21 février 2021 à Montréal. Il y a eu une très très grande marche. Les Algériens du Québec ont répondu à l'appel pour faire la marche. Hier, il y avait eu une grande caravane qui a fait le tour de Montréal. Plus de 400 véhicules avec les drapeaux algériens qui ont sillonné les rues de Montréal. Donc les Algériens, toute la diaspora est là et elle soutient le peuple algérien. On les soutient, on est avec eux et on continuera. Le Hirak, qui est une très belle révolution, ne fait, même si on a 2 ans, on ne fait que commencer. Le Hirak pourrait être lent, ardu, mais le système, inshallah, il y a une guerre. Donc ça c'est le message, ça a été le premier cri des Algériens le 22 février 2019 et c'est un cri qui va continuer jusqu'à ce que le système comprenne et parte. Zouflaoun, bon, mon nom c'est Yanni, donc Nkini d'Aqbaili, j'habite au Canada, ça fait un bon moment, je suis travailleur étranger. Donc comme vous voyez, on est ici, on est venu, bon, moi personnellement je suis venu contre le pouvoir en place actuellement. Et je suis venu non seulement contre le pouvoir, mais en même temps contre certains points que j'aimerais bien mentionner tant que j'ai l'occasion. Donc j'ai vu récemment, il y a eu la libération de plusieurs détenus algériens, des détenus d'opinion. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, j'aime bien. Normalement, aucune personne sur la planète, aucun humain ne devrait être séquestré ou bien emprisonné pour ses idées, telles quelles soient ses idées. Qu'il soit hirakiste, indépendantiste ou bien je sais pas quoi, normalement, tant qu'il y a quelqu'un qui a des idées et qu'il apporte pas quelconque mal aux autres et qu'il nuit pas à la population ou bien à la nation ou bien aux valeurs humaines en général, normalement, il devrait être écouté et on devrait lui donner la chance de s'exprimer. Normalement, nous, en tant qu'humains, en tant que jeunes, je vais parler en tant que jeune ici, normalement, on devrait soutenir, on va soutenir la diversité. Actuellement, il y a des gens ici qui sont hirakistes. Moi, personnellement, je ne suis pas hirakiste, je suis indépendantiste. Mais n'empêche, je suis ici, parmi eux, on a un seul ennemi. Notre ennemi, il ne faut pas l'oublier. Il faut éviter les manipulations du pouvoir. C'est le pouvoir. Moi, je suis indépendantiste. J'aspire à une Kabylie indépendante. Eux, ils veulent une Algérie meilleure. Pourquoi pas? Ils vont avoir une Algérie meilleure et moi peut-être un jour j'aurai une Kabylie indépendante. J'espère que tous les côtés seront gagnants. Et puis, il y a juste quelque chose, j'ai parlé de la libération des détenus. Il y a encore des détenus Kabyles qui ne sont pas libérés, notamment Ounes Hamzi et plusieurs autres. Donc je vais passer un mot à tous les hirakistes, à tous les défenseurs des droits de l'homme, à tous les démocrates, s'ils ne sont pas des pseudo-démocrates.
arrêtez avec la solidarité sélective. Si vous dites non pour Khaled Drarni, non pour les autres qui sont avec des tendances politiques hirakistes qui aspirent en Algérie meilleure, dites non aussi aux Kabyles indépendantistes qui croupissent actuellement dans les prisons Kabyles. Ok? Donc, je ne vais pas m'attarder. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour, j'ai dit ce que je pensais. Ben, j'espère que tu l'as vu, l'article Saha, de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup. Azul Flawen. Bon, on connaît ce qui est au lieu de la guerre, de la guerre, afin d'un système indépendantiste. Ben, la communauté, le Hirak à guerre, on connaît en croix toujours chez toi le Hirak à guerre, on croit pour une Algérie indépendante, une Algérie indépendante au sens propre du mot. On sait que le Kirwa est vraiment Kabylie indépendante, rien n'empêche de faire une douceur, l'Ahvev. Donc il ne faut pas que je me fasse une les indépendants, la Kabylie, la Kabylie, l'Algérie n'existe pas. Viens, on les Algériens, ils ont la Kabylie, la droit, la démocratie. On sait le mot, qu'il faut qu'on se remet. Donc il ne faut pas s'accuser. Vraiment, la libération des détenus politiques. D'opinion, سرحنا سني داير رشيد الكازي خالد ضرارني اكو الى قدرنا نتسرحني ويا ديبوندوست كابينا كامل ونس حمزي مسكين الي اتين غيلي با كرويو سي سون دروا بيرسون بو لي جوجي سي سون شوا دونك مال فغال الجيريا كيوز كات سي سون الجيريا دي ديموكرات لا ديموكراسي لي ليبرتي الى قف تو الموند il faut pas opprimer quelques-uns تخدمي وي وثاني نون صحيتو